émotion, joie. Goma retient son souffle. Marie-Olive Lembe Kabila vient de fouler le sol de cette ville qui a bercé sa tendre enfance, victime de l'éruption volcanique. Goma connaît Olive et sa sollicitude prompte à voler au secours de ceux qui sont dans les besoins. Ce mardi 6 juillet, à son arrivée, les couleurs de l'enthousiasme de sa base ont dominé sur la ville. Sur la route, chemin faisant, les motards, les taximens comme les piétons, accourent vers Marie-Olive Lembe Kabila pour lui témoigner leur affection. Impossible pour la maman Haro de poursuivre son chemin. Elle s'arrête et étreint les siens par son sourire et signe du cœur, geste barrière oblige. Au marché Biréré, c'est sous une pluie des grains des haricots, maïs et riz, que les vendeurs souhaitent la bienvenue à l'épouse de Joseph Kabila Kabangé. C'est plus fort que elle. Marie-Olive Lembe Kabila improvise, s'approche des vendeurs, parmi lesquels ses anciens collègues dans le commerce de haricots. Elle soutient leurs activités en achetant quelques denrées. L'épouse du chef de l'État honoraire draine les foules. Les motards ne lâchent pas son cortège et l'accompagnent jusqu'à sa résidence. Maman, tu n'as pas ici, tu n'as pas mis ton. Tu as regretté, tu n'as pas mis ton masque. Tu n'as pas de machine à pâte à paquet ou ton. Tu n'as pas mis ton. Son agenda prévoit plusieurs activités en rapport avec la catastrophe humanitaire pour laquelle son ASBL est active depuis les premières heures.